présenter rapidement. Donc, moi, je fais partie du fonds d'investissement Partech. Partech, c'est 180 boîtes sous gestion, des fonds qui investissent tout au long de la chaîne. Donc, on a 5 fonds d'investissement et on a un gros fonds de la place, on a 2 milliards sous gestion et on intervient aussi au niveau transatlantique avec des bureaux aux États-Unis, à Berlin et à Dakar. D'ailleurs, il y a le rapport Partech Africa qui vient d'être lancé, donc je le partagerai sur LinkedIn pour ceux que ça intéresse. En tout cas, ce qu'on fait, on fait beaucoup de choses aussi pour l'écosystème et notamment ces webinars qu'on organise. Je gère aussi un lieu qui s'appelle le Partech Shaker. Et donc, tous ces webinars, avant, on les faisait en physique. Et donc, j'espère très bientôt vous retrouver sur le toit du Shaker avec des croissants et du café et des trucs beaucoup plus sympas qu'en Zoom. Mais pour l'instant, du coup, on fait tous ces webinars en Zoom. Et donc, la ligne directrice pour l'année, c'est l'impact. Donc, on invite aussi bien des entreprises de notre portefeuille ou non. Donc, Poppy et 900 Don't Care ne sont pas dans le portefeuille de Partech. Mais j'avais trouvé ça très intéressant d'avoir cet angle financement participatif DNVB et Impact qui prend beaucoup d'ampleur et qui a pris beaucoup d'ampleur l'année dernière et qui continue à avoir de l'ampleur. Et donc, sur la suite des événements, on va parler resell, qui est une grosse tendance. Donc, dans les prochains mois, restez connectés si ça vous intéresse. On va avoir des belles boîtes qui vont venir parler resell, qui est une grosse tendance aussi de l'année et de l'année dernière. Voilà pour moi. Si vous avez des questions sur Partech, je vais mettre aussi mon adresse email dans le chat, comme ça vous pouvez me les poser. Et je cède la parole du coup. Vas-y, Audrey, pour toi. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Audrey, je suis la fondatrice de Poppy, qui est une marque de papier d'hygiène à usage unique éco-responsable. Et on s'est lancé en septembre 2019 sur Ulule, avec au départ un seul produit qui était du papier toilette. On est resté monoproduit pendant un petit peu plus d'un an. Et aujourd'hui, on propose deux produits. Qui reste toujours du papier. Et aujourd'hui, on vend aussi des boîtes de mouchoirs. Juste là, j'en profite pour faire un peu de pub. Vous pouvez les acheter en ligne depuis jeudi dernier. Et on est très contente parce qu'on n'est que des filles, d'avoir cette gamme qui s'agrandit, mais qui reste toujours cohérente avec notre stratégie d'impact. On en discutera, j'imagine, un petit peu plus. Mais en tout cas, nous, grosso modo, l'idée, c'est d'utiliser du papier recyclé pour éviter de couper des arbres pour un usage unique, hein. Moi, je n'ai pas de discours qui consiste à dire que les arbres, il ne faut pas les couper pour faire un meuble ou quelque chose qui va se passer de génération en génération. C'est juste que le couper pour un usage de 30 secondes, ça ne me paraît pas pertinent. Un deuxième pilier qui est un pilier social, puisqu'on fabrique en France, ça c'est vraiment un point parfois difficile, et on reverse une partie de notre bénéfice à Emmaüs. Ça c'est plus en aval. Et puis un troisième pilier santé, puisque moi quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit qu'a priori, si je vendais un produit que j'avais peur d'acheter, c'est que ce n'était pas un bon produit. Donc, ce produit-là et nos produits maintenant, ils n'ont pas de colorant, de parfum, de chlore, comme ce qu'on peut trouver parfois dans d'autres papiers à usage unique. Donc, voilà, c'est nos trois piliers d'impact. Et puis après, il y a aussi des points d'impact dans la partie RH, stratégie de recrutement et tout. Mais bon, on aura tout le temps, j'imagine, d'y revenir après. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue, Sarah. Audrey, tu t'es lancée il y Dis-moi. a combien de temps? Redis-nous. Je me suis lancée. Alors, j'ai quitté ma précédente boîte en avril 2019 pour mettre à 100% sur Poppy en avril 2019. J'ai lancé le Ulule en septembre 2019. J'ai eu ma première salariée en mars. Deuxième en septembre, troisième en janvier. Ouais, Voilà. donc on va dire 2 ans depuis le début un peu de... Ouais, voilà, exactement. Oui, Deux parce ans que depuis le début de l'aventure. j'avais commencé avant de me mettre à 100%. Ouais, c'est ça. Oui, tu avais commencé quand tu étais encore un peu en poste chez Early Ouais, Metrics, du c'est ça, coup. exactement. Et aujourd'hui, vous êtes 3, c'est ça? 4, Quatre. 4 avec deux personnes sur le B2B. Deux personnes sur le B2C parce qu'on a un modèle économique qui est triple en fait. On Ouais. a B2B, B2C, B2B2C. Donc l'idée c'est de recruter maintenant plus en B2B d'ailleurs parce que c'est des volumes plus importants et ça permet de toucher plus de gens aussi. Voilà. On en reparlera juste après. Ouais, Et très donc, bien. les solo founders, intéressant aussi. Exactement. C'est pas l'objectif du talk, mais quand même Ouais, intéressant de lancer. complètement. En plus, je le revendique carrément et avant, j'étais dans une agence de notation et le conseil qu'on donnait, c'était surtout ne soyez pas seul. Moi, je dis surtout ne vous forcez pas à avoir un associé si ce n'est pas votre personnalité. Moi, ce n'est pas ma personnalité d'être deux ou trois. Donc, je pense qu'il vaut mieux se faire confiance
Après, ça a des inconvénients, mais je pense que on peut pas aller contre sa nature. Donc voilà, moi, c'est plus ma façon de faire. Super, merci pour l'intro. Aymeric, je te laisse aussi nous parler rapidement de toi et du coup de l'aventure 900. Ouais, bonjour à tous. Donc moi, je suis Aymeric, je suis l'un des deux fondateurs de 900 Care. Nous, on a fait le choix d'être deux pour en reparler, parce que moi, je suis très, très content de ce choix. Mais je Ça pense saute que un c'est quelque peu, chose de Aymeric. vrai. Hein. Enfin, ça C'est dépend de moi ou la nature des uns et des autres. Ah, ça saute? là, c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Ça sautait un peu. C'est mieux? Ouais. Non, je disais donc, ouais, on est deux fondateurs, c'est Thomas et moi. Moi, je suis assez content de ce choix, mais je pense en effet, comme disait Audrey, ça dépend des personnalités et des tempéraments de chacun. Alors, 900 Care, c'est quoi? C'est une marque de produits de salle de bain à recharger. En partant du principe, enfin du constat tout bête, de dire bah, au lieu de jeter des bouteilles de gel douche ou des tubes dentifrice à chaque fois qu'on les termine pour acheter exactement la même bouteille ou le même tube plein, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de rendre tous ces flacons, toutes ces bouteilles qu'on a dans la salle de bain réutilisables? Donc nous, on a un concept qui est tout simple, c'est au premier achat, vous avez un beau flacon réutilisable qui est en plastique recyclé, que vous allez garder longtemps, et ensuite vous achetez seulement des recharges qui sont emballées dans du carton. Je vous donne juste un exemple d'un des produits qui est le gel douche. Voilà, donc ça c'est notre bouteille réutilisable et ça c'est notre gel douche. Il vient dans la forme de petits bâtonnets à dissoudre parce qu'il faut savoir qu'un gel douche c'est 80% d'eau. Et donc plutôt que de faire voyager de l'eau sur des kilomètres et des kilomètres, nous on a juste compacté tous les ingrédients actifs, vous les mettez, donc c'est là-dedans, vous insérez ça dans votre bouteille, vous rajoutez de l'eau et ça recrée votre gel douche. Donc vous gardez toute la sensorialité du gel douche mais sans avoir à jeter de plastique. Et on va décliner ça du coup sur l'ensemble de notre gamme aujourd'hui. On vend donc du gel douche, du dentifrice et bientôt du gel pour les mains et du déodorant. Voilà. Et nous, donc nos trois piliers, pour reprendre un peu la structure d'Audrey, donc je pense que, enfin, pareil qu'Audrey, il y a bien sûr une dimension santé. Donc c'est que des formules qui sont saines. On est très bien noté sur UK entre 93 et 100%. Elles sont naturelles. Deuxième pilier, c'est bien sûr l'impact environnemental. Donc c'est produit localement. Donc tout est produit en France. Et bien sûr, donc pas de plastique jeté et beaucoup moins d'eau transportée. Et enfin, le dernier pilier, c'est vraiment la sensorialité, c'est de se dire bon bah aujourd'hui, il y a 7 fois plus de gens qui utilisent du gel douche que du savon solide. Plutôt que forcer les gens à passer au savon solide pour faire du bien à la planète, comment est-ce qu'on fait pour garder la même expérience sans avoir à sacrifier enfin la même expérience, mais ne pas sacrifier son confort tout en ayant un meilleur impact pour la planète. Voilà. Et donc nous, on s'est lancé sur Ulule. Donc on a créé la boîte en juillet 2019. On a été beaucoup plus lent que Audrey. On a fait quasiment un an de R&D avant de se lancer en juin 2020 sur Ulule. Et ensuite, on a enchaîné avec une deuxième campagne sur KissKissBankBank à partir de août, qui a duré jusqu'à novembre. Et là, depuis décembre, notre site web est live et on propose nos produits sur un modèle d'abonnement. Et vous êtes combien? Rappelle-moi du coup. Aujourd'hui, on est 8, on est 2 fondateurs, on a une personne qui nous aide sur l'acquisition, on a 3 stagiaires qui nous aident pas mal, notamment sur le community management et le service client, parce qu'on a une D'accord. grosse communauté qui est très engagée et qui nous pose plein de questions. Et on a 2 alternants qui nous aident plus sur les parties sales. Nous aussi, on a des ambitions B2B, ça devrait arriver dans les mois à venir, un premier lancement commercial. Dans des anciennes distributions. Donc, on travaille avec nos alternants là-dessus. Et on a également lancé un pop-up à Paris, dans 4 rues pavées, donc dans le Marais. Voilà. Donc, pas mal de choses. Super. Pour info, moi j'ai reçu aussi mes produits, je suis trop contente. C'était le petit aparté. Trop Et bien. Poppy, les deux en fait. Donc n'hésitez pas, un petit peu de pub, mais n'hésitez pas si ça vous intéresse à vous abonner pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je voudrais donc venir sur la première question qui est vraiment la question la plus générale. Pourquoi et qu'est-ce que le financement participatif en deux mots? Et je pense que ça reprend un terme que vous avez utiliser tous les deux dans votre intro, qui est la communauté. Est-ce qu'on se lance sur du financement participatif parce que, un, on veut lever rapidement de l'argent, deux, on veut créer une communauté qui est très forte, trois, on veut faire des préventes, et donc, voilà, tout ça, je voudrais que vous nous parliez en fait, de votre pourquoi vous avez choisi ce mode de financement plutôt que d'autres, ou en additionnement d'autres.
Peut-être, Audrey, tu prends la première partie? Ouais. Alors moi, la première raison pour laquelle je me suis lancée sur Ulule, c'était quand même que je voulais valider un besoin, quoi. Je n'étais pas convaincue. Enfin, moi, j'en étais convaincue, mais je trouve qu'il ne faut pas partir sur des a priori quand on a des gros volumes de production. Et donc, je me suis dit, je vais quand même tester qu'il y a bien des gens qui vont acheter mon papier toilette et qui vont être chauds pour avoir du recyclé, du made in France et une partie santé sur un produit qui n'est pas très sexy, en fait. Et donc, bonne nouvelle, j'ai rencontré mon marché, donc je me suis lancée ensuite. Mais moi, mon premier truc, c'était vraiment ça. Donc, ce test du marché, il y avait aussi un côté test sur la taille des produits. Je voulais voir lequel partait le mieux, lequel partait peut-être pas du tout, pour éventuellement faire des tailles différentes, parce que moi, j'ai des cartons personnalisés. Donc, je n'ai pas l'idée non plus de produire des cartons si je ne m'en servais pas derrière, quoi. Donc, pareil, essayer de tester et d'éviter de faire du gâchis sur mes emballages, quoi. Et puis, ouais, je pense que le deuxième point ou troisième point, le plus clé, c'était pour Poppy le financement en fait des premières productions, parce que quand tu fais du papier, c'est des volumes qui sont quand même tout de suite très importants. Donc c'est du cash qui sort. Moi, je voulais pas me diluer, enfin, je voulais pas lever de fonds, je voulais pas lever de fonds. Et donc, c'était un super moyen d'avoir une avance de trésor et de financer cette première production. Voilà. Alors, il se trouve que finalement, j'ai eu beaucoup plus de commandes que prévu, donc j'ai dû avancer quand même ma production. Donc, j'ai quand même dû sortir du cash avant la fin, parce que en fait, sinon, je n'aurais pas pu sortir mes produits à temps. Et donc, voilà. Donc, j'ai eu l'avantage. J'étais fait pour ça aussi, mais finalement, ça n'a pas couvert à 100% parce qu'il y en a eu trop finalement. Mais c'était quand même super. Enfin, c'était une bonne nouvelle. Hein, voilà. C'est un problème de riche, on va dire. Ok, donc Voilà. tester son marché et financer ses premières Ouais, productions. je dirais ça. La communauté, oui, mais elle se construit aussi ensuite, je crois, notamment entre le moment où tu finis ta campagne et le moment où tu dois livrer. Il y a des échanges qui se font, donc c'était pas spécifiquement pour ça. Moi, en tout cas, voilà. Ouais. Emeric, c'était la même chose chez vous? Ouais, je pense que c'est un très bon résumé d'Audrey. Moi, je mettrais un tout petit peu plus l'accent sur la communauté parce que je trouve qu'à la différence de faire une vente normale, la pré-vente, c'est des gens qui ont envie d'être impliqués dans ton projet. Ils ont envie de savoir ce qui se passe et ils sont prêts en fait à. C'est des gens qui sont très exigeants. Ils veulent savoir ce qui se passe, c'est-à-dire que si tu as du retard et que tu leur dis pas, bah là, ils vont te harceler. Mais en revanche, si tu leur expliques tes difficultés, en fait, tu crées beaucoup d'amour pour ta marque. Nous, on a eu pas mal de galères de production. Ça a pris, on a eu des volumes qui étaient beaucoup plus gros que ce qu'on avait anticipé, un peu comme Audrey. Du coup, ça posait pas mal de soucis de production. Ça nous a fait, enfin, ça fait qu'on a livré à peu près 2 mois en retard. Et en fait, on racontait au fur et à mesure de, ah, bah voilà, il y a eu telle machine, en fait, elle a cassé, tel produit, il est en pénurie. Du coup, on a des délais d'approvisionnement. De 2 semaines en plus. Enfin, bref, et à chaque fois qu'on racontait ça, les gens disaient, ah, ben, c'est super, merci de me donner un peu le dessous des cartes, c'est trop bien de voir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, bien sûr, c'est, enfin, comme disait Audrey, hein, ça se construit aussi donc, après la campagne, mais je pense que la nature du crowdfunding, ça fait que tu as des gens quand même qui ont très envie de s'impliquer et qui, derrière, en fait, deviennent tes meilleurs ambassadeurs parce qu'ils vont en parler, ils vont dire, bah, voilà. Donc nous c'était une dimension hyper importante, la dimension communautaire, et c'était une des grandes raisons pour se lancer aussi avec ce modèle-là. Et juste pour reprendre ce que tu disais, enfin ce que vous dites vous deux sur le timing, en fait, à quel moment tu lances ta campagne? Je pense que c'est vraiment une question clé. Faut pas la lancer trop tôt, faut pas la lancer trop tard, puisque tu valides aussi un marché, mais en même temps, faut quand même que tu sois OK avec tous tes moyens de financement, de production. Du coup, vous avez tous les deux vos fournisseurs. C'est juste que vous avez été dépassé par la mesure des volumes, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, je pense que, enfin, nous, la façon dont on a réfléchi, c'était dès qu'on a un produit finalisé en mode prototype, on peut lancer la campagne. D'accord. Donc, quand je dis prototype, hein, c'est bien sûr tous les tests ont été réalisés, les OK. formules étaient safe, on savait que ça marchait, mais on n'avait pas encore lancé des grosses productions. Donc, il y avait cet inconnu sur la capacité à industrialiser. Mais Et en tu fait, avais des fournisseurs. on avait des fournisseurs, ouais. D'accord. On avait les fournisseurs, mais nous, c'est des produits qui sont quand même très nouveaux, très innovants. C'est des trucs que nos fournisseurs ne faisaient pas avant. OK. Et du coup, il y avait quand même cette question de comment est-ce qu'on industrialise, parce que ce n'est pas pareil de faire des bâtonnets de gel douche en labo avec une presse manuelle et de passer à l'échelle industrielle.
Bah, ça a été un peu la découverte de post-campagne. On a appris plein de trucs, mais je pense que c'est le. Enfin, il faut pas attendre d'avoir. Enfin, forcément, d'avoir tout aligné, parce que c'est jamais le bon moment. Donc, à un moment, il faut se lancer. Il faut juste trouver ce moment où on est suffisamment confiant de ce qu'on va proposer aux clients sur la page de campagne. Ça correspond à ce qu'ils vont recevoir après. Et après, le seul conseil que je donnerais, c'est prenez vos délais que vous anticipez, doublez-les et annoncez cette date-là. Parce qu'en fait, les gens peuvent attendre 6 mois, il n'y a pas de problème. Mais si vous leur avez dit 4 et que c'est 6, là, ils voient avoir 7. Donc, mettre fois 2. Voilà, mettre fois 2, c'est une bonne pratique. Et si vous arrivez à tenir vos délais initiaux, bah, c'est encore mieux et tout le monde sera hyper content. Ouais, c'est hyper. Vas-y, Audrey. Non, vas-y. Non, pardon, vas-y, parce que moi, c'est plus sur une histoire de quand est-ce qu'il faut se lancer dans l'année, mais c'est pas vraiment sur ce que vient de dire Aymeric par rapport au quand dans l'histoire de la boîte. Donc, vas-y. Alors tu rebondis juste après, mais moi, j'ai juste une question sur la durée de la campagne. Et est-ce que tu es obligé de mettre un mois, enfin, de dire ah bah mes produits vont, enfin vous recevrez vos produits, tu peux pas dire à l'hiver 2021 ou un truc beaucoup plus vague, les gens veulent savoir exactement, ou tu vois, les gens veulent le savoir, mais ils sont très tolérants sur la date. Enfin, nous on aurait pu dire janvier et ça aurait pas posé de problème. D'accord. Le problème c'est qu'on a dit novembre et que du coup en décembre ils étaient là, où sont mes produits, quoi. Ce que je comprends. Et en fait, le truc, c'est que même si tu envoies plein de newsletters, les gens ne lisent pas forcément, etc. Okay. Donc, ça marche. Voilà. Audrey, je te laisse du coup la parole. Et j'ai deux questions aussi pour vous qui sont quasiment les mêmes. Aviez-vous une première communauté avant de lancer votre campagne Ulule? Et aviez-vous déjà des communautés existantes avant le lancement de vos campagnes? Donc, tu peux aller sur ce que tu voulais dire et puis engager sur ce sujet. Ok, ça roule. Oui, par rapport au timing, donc pas de l'histoire de la boîte, mais quand est-ce qu'il faut lancer un truc qui parfois, enfin moi j'accompagne des entrepreneurs sur, gratuitement je précise, hein, je ne fais pas de conseils, mais c'est des gens que j'accompagne comme ça, quoi, et qui parfois veulent se lancer à des mauvais moments, typiquement juste après Noël. Bah, on déconseille de se lancer juste après Noël parce que les gens, ils ont moins d'argent, ils sont moins dans un bon mood pour acheter. Le mois d'août, pareil, hyper compliqué de se lancer au mois d'août. Donc, il faut quand même essayer de bien trouver son timing. Un exemple que j'ai de récemment, une fille qui lançait des carrés en soie fabriqués en France. Et en fait, y avait vraiment un gros enjeu sur Noël, c'est-à-dire que c'était un produit très cher. Et les gens, le seul moment dans l'année où ils peuvent acheter ce produit-là, c'est pour Noël, pour faire vraiment plaisir, ou pour l'anniversaire. Et donc ça voulait dire qu'elle avait en fait très peu de temps pour lancer sa campagne et pour livrer. Donc elle, en fait, si elle fait cette promesse de livrer à Noël, elle n'a pas le droit à l'erreur parce que les gens, c'est trop cher, et ils ne pardonneront pas ça pour le coup. Donc en fait, je pense que ça dépend des produits, mais pour des produits chers, si on promet Noël, eh ben, il faut que ce soit Noël. Je crois qu'il y a quand même cet enjeu de timing hyper important à cette période de l'année précise. Quoi. Voilà. Ouais. Complètement, mais en plus, du coup, tu as quand même cette question de quand est-ce que tu lances la campagne, parce que si tu la lances trop tôt, tu la lances en septembre, les gens ne sont pas forcément dans le mood de Noël. C'est vrai. Mais si tu la lances en novembre, après, il faut vraiment assurer au niveau opération. Parce qu'en effet, les gens ne pardonnent pas quand c'est des cadeaux de Noël. Ouais. Tu te fais éclater derrière. C'est clair. Et donc, sur la question, plus sur la communauté existante avant, et du coup, comment en fait ça se lance? Est-ce que c'est Friends and Family, ou vous aviez déjà une communauté avant, ou ça s'est grossi, ce que tu disais un petit peu, Audrey, au fur et à mesure? Est-ce que vous pouvez prendre? Est-ce que vous aviez fait en fait de la com avant, tout simplement? Alors, par rapport à la question sur la communauté, un peu, je ne sais pas si c'est par rapport à l'influence. Moi, je n'ai pas Instagram en perso, donc non, je ne suis pas une influenceuse. Je n'ai pas de communauté propre, quoi. En tout cas, non. Facebook un peu, mais enfin, pas beaucoup. Et par contre, moi, j'étais assez active sur LinkedIn via mon précédent job. Et puis surtout, j'ai quand même pas mal de journalistes avec qui je m'entends bien. Donc ça, pour la campagne, ça a vachement aidé de bien s'entendre avec des journalistes parce que du coup, ils ont relayé, c'était très sympa parce qu'ils étaient, je pense qu'ils l'ont fait par amitié et ça, c'était cool. Donc, je trouve que la communauté avec les journalistes, ça, c'est hyper important. Et puis, sinon, par rapport à la communication, moi, j'avais quand même commencé à récupérer des leads. J'avais fait une landing page l'été avant ma campagne
où je disais, il va se passer un truc autour des toilettes, laissez votre adresse mail et puis on vous recontacte. Et donc, ça avait fait une bonne base de gens que je ne connaissais pas du tout. J'ai fait de l'acquisition en ligne, en fait, pour des leads. Et à qui j'ai envoyé ensuite la campagne un jour avant, il me semble, me souvenir de ça. Et donc, en fait, quand la campagne a été officiellement lancée, elle était déjà financée, je crois, à 200%. Donc, même si les pourcentages, ça ne veut rien dire, hein, parce que tu peux mettre 10 et puis si tu fais 20, voilà. Mais en tout cas, c'était déjà, ça donne du baume au cœur en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, ça donne confiance au reste des gens que tu ne connais pas sur Ulule ou sur KissKiss en fonction de là où t'es, quoi. Donc, moi, j'avais fait un petit peu de com' avant, 2 mois avant, je dirais. 2 mois avant. Je reviens juste sur ce que tu as dit. Les journalistes, c'était des gens que tu connaissais, j'imagine, c'était ton réseau. Ouais, exactement. Et puis après, comme c'est un milieu assez moutonnier, bah ça, c'est super parce qu'il suffit d'en avoir un. Je donnais l'exemple de Bordeaux. Moi, j'ai déménagé à Bordeaux récemment. Et le fait d'avoir une retombée à Bordeaux, bah, j'en ai eu 3 derrière. Donc, en fait, ça rassure et ça permet d'avoir une bonne visibilité assez vite. Mais il faut avoir le premier, quoi. Voilà. Il faut avoir le premier. Et juste sur l'acquisition en ligne, tu disais donc l'été avant, donc c'était, tu as lancé la campagne quand, rappelle-nous, Mi-septembre 2019. Donc l'été, 2-3 mois avant, ce que tu disais, acquisition en ligne. Et là, c'est une landing page toute simple avec des mots-clés et du référencement sur Google, quoi. Même pas en fait. Hein. J'avais fait que du Facebook Ads et même pas de Google. C'était juste du Facebook Ads et juste du Facebook Ads. Okay. Ouais, et c'était une landing page qui s'appelle, le nom de l'outil, c'est Kickoff Labs. Je trouve que c'est vachement bien. C'est vraiment spécialisé landing page, quoi, alors que Shopify, ils sont plus multi-usage. Donc, je conseille Kickoff Labs. C'est bien fait aussi, tout ce qui est back-office. Donc, j'avais une landing page un peu rigolote avec des toilettes. Et les pubs tournaient autour de, il y a un papier, un truc qui va sortir. Je crois qu'on avait quand même parlé de papier à un moment. Et donc, on avait récupéré un certain nombre d'adresses mail pour pas très cher. Donc, ça donnait aussi des éléments positifs sur le fait que le coût d'acquisition était faible. Et ça, c'était bien. C'était quand même une grosse incertitude quand tu le lances en ligne avec un produit que les gens n'ont pas l'habitude d'acheter en ligne. Tu te dis, mince, combien je vais payer mon lead, quoi. Et ma vente surtout. Donc, en fait, ça m'a permis aussi d'être un peu rassurée sur le coût d'acquisition. Donc, ça, c'était bien. Ok, trop bien. Ouais, exactement. C'est le Kickoff Lab, ce que tu viens de mettre. Ouais, je viens de le mettre. Du coup, ben, super bon conseil. Avant de. Puis, je pense que ça te donne un peu du flair sur est-ce que ça va, comment ça va fonctionner, est-ce que ça va fonctionner et tout. Aymeric, tu veux ajouter un truc ou on peut passer à la suite? En fait, globalement, pareil que Audrey, on a fait un peu la même chose. Nous, avec peut-être une spécificité par rapport à Audrey, c'est que donc Kickoff Labs, c'est un mécanisme qui permet. Enfin, on a fait Kickoff Labs aussi, mais c'est un mécanisme où tu peux encourager des gens à partager un lien traqué unique. Et quand il y a d'autres personnes qui s'inscrivent à partir de ce lien, ça leur fait gagner des points. Et toi, tu peux les récompenser pour ce comportement. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a proposé aux gens de devenir bêta-testeurs. Ce qui était super, parce que déjà, ça nous rassurait sur le fait que les gens étaient intéressés pour tester un dentifrice à croquer, par exemple. Et ça nous permettait ensuite de faire tester les produits, de collecter plein de retours. Et bah, le fait qu'il y ait un truc gratuit à gagner, ça fait que très rapidement, on a collecté beaucoup de leads pour pas très cher. Après, le problème de ça, c'est que c'est, à la différence d'Audrey, c'est que c'est des leads qui sont beaucoup moins qualifiés parce que en fait, dès que tu donnes un truc gratuit, bah, tu as tous les chasseurs de promos qui viennent et ils n'ont aucune intention d'acheter. Donc, ça n'a pas été un super mécanisme de conversion derrière, mais en tout cas, ça a permis de vraiment faire connaître le projet. Ça faisait que quand on s'est lancé, donc on avait, bah, comme Audrey, cette base de gens qui, un jour avant l'ouverture officielle, avaient déjà acheté. Donc, on était déjà au-dessus de notre objectif. Mais en plus, sur Instagram, il y avait plein de gens qui disaient « Ah, ben, j'ai reçu les pastilles, je les ai testées, c'était vachement bien. » Ce qui crédibilise quand même vachement ta démarche. Et après, nous, ça nous a permis de vachement itérer aussi sur notre produit, de l'améliorer. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant comme démarche. Ouais, donc on voit qu'il y a des stratégies qui sont différentes même avant le pré-launch en fait. C'est super intéressant. En tout cas, c'est cool que vous ayez partagé l'outil. Je pense que ça va servir à pas mal. Ouais. On a une petite question, je la prends. Elle vient d'être lancée et ça enchaîne un peu sur pourquoi et quand le financement participatif. Donc Mathis qui demande si le financement participatif sert à financer la première production. Comment avez-vous financé votre R&D, la phase de création de vos produits qui doit sûrement représenter une certaine somme? Aymeric, je veux bien du coup que tu en parles, parce que je pense. Ouais. Que, nous, on a fait le choix de assez rapidement faire une levée. Donc, on a levé principalement autour de nos friends and family. On a eu un fonds aussi qui a mis un petit ticket.
parce que nous, on avait des vrais gros frais de R&D. D'une part, parce que les formules n'existaient pas, donc il fallait vraiment partir d'une feuille blanche et qu'on avait fait le choix de le faire sur plusieurs produits, donc ça multipliait les coûts. Et d'autre part, parce qu'on avait cette idée de dire nos flacons réutilisables, c'est aussi l'image de la marque. Puis il fallait qu'ils soient en plastique recyclé, qu'ils aient certaines caractéristiques. Et donc, on a décidé de les designer et ensuite de les faire produire. Et donc, ça coûte très cher parce qu'il faut créer des moules. Ça coûte d'autant plus cher quand tu décides de le faire en France et pas en Chine. Donc, pour ça, on avait besoin d'argent. Donc, nous, on a fait une première levée là-dessus qui servait justement à financer tout cet aspect R&D. Et après, on se disait, le financement participatif, c'est comme disait Audrey, hein, c'est un super test de marché. Et derrière, c'est aussi enfin, ça te donne les sous en avance pour financer ta première prod parce que pour le coup, tu as des minimums de commandes qui sont très élevés, notamment sur les flacons, moins sur les formules où là, on aurait été un peu plus flexible, mais sur les flacons, on avait des minimums de quantité de 20 000 par production. Donc, il fallait avoir vendu pas mal de produits pour rentabiliser ça. Audrey, c'est pareil chez vous. Comment t'as fait pour financer au début? Alors, c'est assez différent pour ma part. Après, je pense qu'effectivement, Emeric, il a quand même ce côté vraiment grosse, grosse R&D. Comme dit, fabriqué en France sur des produits comme ça, franchement, c'est courageux parce que c'est tellement plus simple de le faire ailleurs que c'est assez remarquable. Donc, bravo parce que, bon, je crois que Merci. en fait, on l'oublie un peu parce qu'on voit marqué Made in France partout. Mais en fait, Made in France, déjà, ça ne veut pas dire Non, grand-chose et ça ne veut c'est. rien dire. C'est vraiment contraignant, quoi. Donc voilà, nous en plus, moi j'ai à cœur que tous les produits soient Origine France garantie. Donc c'est un autre label qui est encore plus, voilà, qui est vraiment très très contraignant. Et voilà, donc je trouve que c'est super important qu'on le souligne et que les gens n'oublient pas que c'est pas parce qu'il y a un drapeau français dessus que c'est français. Voilà. Et puis moi j'ai un peu, j'en avais discuté avec Emeric par téléphone d'ailleurs pour avoir ses conseils. Moi, j'avais pas envie de lever des fonds en fait parce que j'avais envie d'avoir mon indépendance, d'autofinancer ma boîte. Et en fait, moi j'ai eu la chance de partir de ma précédente entreprise. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je salue Antoine s'il est là, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai vendu mes parts au moment de partir et j'ai bénéficié d'une bonne valo parce que c'était la troisième levée. Et en fait, les investisseurs m'ont racheté à cette valo-là quasiment. Donc en fait, je pouvais autofinancer ma boîte et ça, c'était super et c'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Sauf que la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, j'ai pas non plus trop besoin de remettre, remettre, remettre parce que là, on vient de closer l'exercice comptable premier et on a payé des impôts. Donc, je suis trop contente d'avoir payé des impôts parce que ça veut dire qu'on est rentable. Et donc, la boîte n'a pas un besoin vital de lever de l'argent. Par contre, elle en a si elle veut investir. Et là, effectivement, on co-développe un produit avec un industriel. Bah oui, c'est sûr que là, la question, elle se pose carrément. Et d'ailleurs, moi, je suis en process pour voilà, sur ce sujet, mais c'est en fait soit tu restes un peu comme une petite PME qui fonctionne bien avec une rentabilité très acceptable, soit eh ben, pour passer à la vitesse supérieure, proposer d'autres choses, toucher plus de gens. En fait, la levée de fonds à un moment elle s'impose. Je vais pas dire malheureusement parce que c'est positif aussi d'être accompagné par des gens, mais il faut bien choisir ces gens-là. Voilà, moi j'ai vraiment à cœur, je les vois comme des associés, donc j'ai vraiment à cœur que ce soit des gens qui partagent déjà les valeurs de Poppy et puis avec qui je m'entends bien, parce que si je dois leur parler souvent, je préfère bien m'entendre avec eux, quoi. Donc voilà. On fait généralement un talk uniquement sur le sujet de la levée de fonds et comment choisir son VC par an, qui ramène beaucoup de monde. Donc c'est un sujet évidemment qui nous tient à cœur en tant que VC et membre dans l'écosystème. Alors on va aller sur le vif du sujet, puisqu'on a des questions dessus, sur le démarrage de la campagne, comment ça se monte et qui peut vous accompagner? C'est la question de Louis, hein. Avez-vous dépensé beaucoup d'argent pendant la campagne? Alors, web marketing, il parle d'avant aussi, mais je pense qu'on va parler juste de la campagne. Et puis, vous allez nous dire du choix du coup de quel outil, Ulule, Qu'est-ce et tout. Puis en plus, je crois que Aymeric, toi, tu as fait les deux. Combien l'enveloppe? Est-ce que vous avez fait tout seul ou est-ce que vous étiez accompagné? Aymeric, peut-être que tu veux
Tu veux donner ton. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bah déjà, et j'ai vu qu'il y avait Lucille de Ulule dans les spectateurs. Donc bonjour, bonjour Lucille. Ces plateformes, que ce soit Ulule ou KissKissBankBank, elles ont déjà des gens qui sont là pour accompagner les projets et qui sont vraiment hyper hyper forts. Donc, voilà, moi, avec Lucille, on a échangé chaque semaine, genre 2 mois avant la campagne. Je vais relire des trucs. Des pages projet, à la vidéo, des retours qui étaient hyper, hyper bons. Nous, en plus de ça, on s'était accompagné par quelqu'un qui s'appelle Germaine, qui a une petite boîte qui s'appelle CrowdyBox, qui est spécialisée dans l'accompagnement des campagnes de crowdfunding, notamment sur toute la partie web marketing, nous aider à mettre les bons tags, à bien traquer, à savoir comment gérer différentes relances par mail, etc. Ça, c'était, on a pu bénéficier d'une bourse en fait pour financer ça. Donc, on était en région Rhône-Alpes à l'époque, donc on a une bourse de la région pour financer ça. Donc, c'était top. Donc voilà, sur l'accompagnement, enfin, c'était ça. Ensuite, bien sûr, on s'est fait accompagner sur la partie création de contenu. Donc ça, c'est enfin, ça dépend. Il y a tous les formats, et je crois que Audrey l'a fait avec un ami. Nous, on est passé par une agence vidéo qui nous a fait notre vidéo. Ça nous a coûté environ un peu plus de 10 euros parce qu'on a fait une vidéo avec des acteurs, etc., etc. Voilà, pareil, on est passé par une agence pour les photos parce que l'aspect visuel est hyper hyper important. Donc voilà, mais sur la préparation de la campagne, en gros, je pense que le moment le clé, donc c'est avant la campagne, c'est ce dont on a déjà parlé, de comment est-ce qu'on fédère déjà une première communauté qui sera prête à participer rapidement. Toutes ces landing pages, on a parlé, ça nous permet aussi d'affiner les messages. Donc c'est intéressant de driver du trafic et de faire des petits changements sur la page et voir est-ce que le taux de conversion augmente. Ça permet en fait d'affiner sa page projet. Il faut passer beaucoup de temps à travailler la page projet pour qu'elle soit claire, pour qu'elle soit très visuelle, pour qu'il n'y ait pas trop de texte, mais qu'on arrive à dire l'essentiel malgré tout. Et Quatre vous a accompagné, c'était ce que tu disais. Chronibox nous a pas mal accompagné. Alors plus sur la partie technique que sur le contenu. Le contenu, il venait quand même vraiment de nous. Mais voilà, de comment est-ce qu'on itère avec les landing pages pour se dire, bah, là, on a le truc qui est le plus clair pour expliquer ton projet. Et la vidéo, c'est hyper important. Et après, je pense qu'il y a tous les modèles qui existent. Nous, on a décidé de faire de la pub et de sponsoriser notamment notre vidéo de campagne qui a très bien marché sur Facebook. Ça a drainé pas mal de trafic. Après, c'est pas obligatoire. Je pense que tous les modèles existent. Ok, Audrey, tu veux nous donner ton expérience? Oui, bien sûr. Moi, j'ai en général, mais particulièrement à ce moment-là, comme je n'avais pas beaucoup de fonds, j'ai tendance à aller chercher tout ce qui est gratuit. Donc, j'essaie de. Et à l'époque, particulièrement, donc, tout ce qui est. Ce qu'on a dans ma page projet sur Ulule, là, c'est en fait des visuels que m'avait fait l'agence qui, en fait, a un DA qui est un de mes copains d'un ancien stage. Et c'est une agence qui est une super agence d'ailleurs qui s'appelle Future Brand, qui normalement accompagne des très gros, mais qui là a accompagné Poppy en se disant bah, ça va être aussi un bon moyen pour nous d'avoir un bon cas d'usage. Et d'ailleurs, on a été shortlistés, enfin, ils ont été, Future Brand a été shortlisté au Pent Awards, c'est un énorme concours de design avec les boîtes Poppy. Donc c'est quand même assez rigolo parce que ils ont fait ce pari-là de m'accompagner, ça leur a pris un peu de temps pour pas grand-chose et ça a payé. Donc, moi, je conseillerais quand même d'aller chercher dans votre réseau bah, qui peut m'aider, quoi. Et ça, bah, moi, il y avait donc Axel de Future Brand. Par rapport à la vidéo, pour le coup, moi, je suis passée par des gens qui étaient chez Make Sense, Trust Society, qui faisaient à l'époque des vidéos. Je ne suis pas sûre qu'ils les fassent encore, donc je ne veux pas dire de bêtises. En tout cas, moi, je suis passée par eux et c'était des copains de Make Sense. Donc voilà, c'était une super expérience. On avait bien rigolé en la faisant. Alors, elle est un petit peu artisanale, mais je crois qu'elle a bien tourné et elle parlait bien, en tout cas, du projet et du produit. Ça, c'est important, je pense, de parler des deux, de se montrer soi, mais de montrer aussi son produit ou ce qu'on veut faire avec, en tout cas. Et puis, après, pour la partie acquisition, moi, je n'ai pas du tout fait de payant pendant la campagne. Quoique, j'ai fait un petit peu de payant pour pousser un produit qui est sorti en cours de route, qui était en fait un pack Noël
où on trouvait rigolo, vu les commentaires qu'on avait, de pousser en fait un produit spécial Noël, justement, parce que ça approchait. Et donc, c'était Poppy un peu rigolo avec un petit chapeau de Noël, de la neige et tout. Et il est très bien parti. Et donc, on l'a ressorti cette année aussi. Voilà. Donc là, on avait fait un petit peu de payant pour pousser le pack Noël, mais c'est tout. Sinon, pas de payant pendant la campagne. Ça a repris ensuite avec le site internet. Et sinon, moi, je me suis fait accompagner avant la campagne par quelqu'un qui s'appelle Thomas. Donc, je peux vous mettre en relation avec lui. Il est trop sympa et c'est devenu un copain maintenant qui, lui, m'a vachement aidé à comprendre ce que c'était que le web marketing. Parce qu'en fait, moi, je notais des boîtes qui faisaient du web marketing, mais ça n'a rien à voir. Noter une boîte et dire c'est bien ce que tu fais et mettre les mains dans le cambouis, faire soi-même, optimiser ses coûts, tester ses pubs, ses cibles et tout, franchement… Au début, c'était un vrai apprentissage et je l'ai fait avec Thomas. Franchement, trop bien. Il aide plein de boîtes que des DNVB et il est très fort. Donc, Thomas, comment tu dis ? Thomas Turca. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le contacter de ma part. Je crois qu'il est très pris, mais franchement, il est vraiment bien et surtout, il insiste beaucoup. C'est-à-dire que moi, comme j'ai un peu ce défaut, le défaut de cette qualité, c'est que je ne veux pas trop dépenser. Bon. Et donc, du coup, à chaque fois, il me disait, mais si, utilise cet outil, tu verras, ça va être hyper utile. Et à chaque fois, il avait raison, quoi. Donc, ça m'a fait un peu mal au cœur au début. Et en fait, ça marche super bien. Par exemple, Klaviyo, c'est un outil de mailing quand on a Shopify. C'est trop bien. C'est vraiment orienté e-commerce. Tu maîtrises ton ROI, c'est-à-dire que tout ce que tu fais par mail, tu peux le traduire en euros. Et bien, ça, au début, je me disais, ah, c'est cher, j'aime bien. Bon, je ne vais pas citer les autres, mais les classiques qui, en fait, ne sont pas orientés e-commerce. C'est du mailing pour faire des booms ou des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le faire quand même. Et en fait, bah, Banco, c'était trop bien. Donc, voilà, Thomas, je le recommande à fond. Bah, ça y est, j'ai mis, donc, pour info, hein, tout ce que les speakers parlent, je le trouve et je vous mets tout. Ah, trop cool, bah, il va être content, je pense, génial. Bah, l'objectif, c'est aussi de faire parler des gens qui font des choses chouettes et de donner des tips right now, tous les gens qui écoutent. Hein, il y a plus d'une trentaine de personnes et puis ça sera reconduit cool. Aussi. Donc, ok, si trop bien. Faire de la pub à tous ces gens qui bossent en free et très cool. Donc ça vous a quand même coûté un peu d'argent et vaut mieux investir dedans pour avoir des retombées. Enfin, c'est aussi l'objectif, quoi. Oui, mais moi, je maintiens quand même que c'est bien quand on peut d'aller chercher d'abord du gratuit. Oui. Quand on n'a pas levé, parce que si on a levé, je pense qu'effectivement, ça ne sert à rien de perdre du temps à trop gratter. Mais quand on n'a pas beaucoup d'argent, je crois qu'il faut vraiment se forcer à aller se demander qui peut m'aider. Ouais. Et ça, en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais les gens sont hyper bienveillants. C'est-à-dire que des gens avec qui tu as bossé, des anciens clients, des gens qui… Moi, je n'ai pas beaucoup de cousins, mais des gens qui ont des cousins, j'en sais rien. J'imagine qu'on peut trouver quelque chose, quoi. Et donc, je crois qu'il faut d'abord aller chercher des gens qui peuvent aider. Ouais. Ensuite du payant. Enfin, moi, c'est ma vision. En tout cas, c'est ce que j'ai fait pour la campagne. Ensuite, je crois que chaque projet est différent aussi. Donc, peut-être que ça ne marche pas à tous les coups. Je ne sais pas. Non, moi, je suis assez d'accord avec toi. Et juste, je reviens sur ce que tu dis sur le web marketing pour y être un peu collé aussi. Mais c'est un enfer. C'est un métier. C'est vraiment. Ouais, c'est pire, un temps fou. Énorme métier qui prend un temps fou si tu n'es pas dedans. Les campagnes. Ouais, c'est clair. C'est devenu d'une complexité, enfin, les campagnes Facebook, rien que Facebook Ads, quoi, c'est quand même un truc, et c'est super puissant. Donc, Et tu peux vite perdre beaucoup d'argent si tu n'y passes pas beaucoup de temps. Et donc, voilà, il y a des trucs comme ça, des petits types que si tu ne les as pas, tu peux vraiment être mal, quoi. Par exemple, ne jamais couper complètement tes pubs. Tu pars en vacances, tu es toute seule ou tu es à deux, tu te dis, tiens, je vais couper mes pubs. Il ne faut jamais faire ça parce qu'ensuite, ton algo, il ne se rappelle plus de rien et donc, c'est le bazar. Mais ça, si tu ne le sais pas, tu le fais, bam, tu perds 2 mois de travail, quoi. Donc, c'est des choses comme ça que Thomas ou d'autres peuvent donner et ça fait gagner un temps fou parce que tu ne fais pas les petites erreurs que tu aurais faites sinon. Ouais. Ça, c'est super, quoi. Ouais. Il y a une question. Dans quel autre outil payant tu n'as pas regretté d'avoir investi, Audrey ? Alors, Shopify, genre sans hésiter, quoi. C'est un truc… On m'avait dit, tu devrais peut-être utiliser, c'est PrestaShop, c'est ça. Sauf qu'en fait, PrestaShop, quand tu ne sais pas coder, bah, j'ai rien compris. Donc, je pense que c'est super, mais quand tu sais un petit peu faire le taf, quoi. Shopify, quand tu ne sais pas faire, franchement, c'est trop bien. Moi, je suis une quiche. Mon site, il a quand même un petit peu de… Il tire la route, quoi. Il convertit bien. Donc, il tire la route grâce à Shopify. Donc, merci Shopify. Klaviyo pour le mailing, franchement, trop bien. Je peux ouvrir… Recharge pour l'abonnement. Je pense que c'est l'app de référence. Je ne sais pas si tu l'utilises, Emric, pour les abonnements. Ouais.
C'est un peu l'app de référence pour les abonnements sur Shopify. Je vais essayer d'ouvrir mes apps pour vous dire aussi les autres que j'ai. C'est Reach Out. Ah oui, Recharge. 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 Ouais. Voilà. Un autre truc que je n'ai pas regretté d'avoir fait. En fait, moi, quand je me suis lancée avec mon logisticien, ils n'avaient pas d'API qui était connectée à mon Shopify à moi. Enfin, en gros, ils n'avaient pas d'API qui permettait de se connecter à Shopify. Donc là, on avait le choix d'envoyer tous les jours des Excel. Je me suis dit, galère. Donc en fait, tu dépenses un peu, tu dis, OK, on va faire une API, ça va servir aux autres ensuite en plus, donc tu mutualises, voilà. Et maintenant, je me dis, mais heureusement qu'on a fait ça. Donc moi, je conseille de ne pas aller avec un logisticien qui n'a pas d'API qui se connecte avec votre site. Et sinon, insister un peu, prendre le temps que ce soit fait, parce que la logistique, c'est vraiment le nerf de la guerre dans nos métiers. Donc, voilà, moi, je conseille de passer du temps là-dessus. Pour les avis, je vous conseille Loox, L-O-O-X, qui permet en fait à vos consommateurs de mettre leurs photos. Et c'est super sympa. Déjà, ça fait vachement plaisir en tant qu'entrepreneur de se dire « Waouh, il y a des vraies personnes qui achètent mes produits ». Donc, ça me fait du bien tous les jours, franchement. Et puis, surtout, ça permet de récolter beaucoup d'avis. Et qu'on peut réutiliser parce qu'il y a du contenu. Donc, ensuite, on peut les mettre sur les réseaux sociaux. Loox, vraiment trop bien. Pour le parrainage, je vous conseille Referral Candy, qui est très bien. On a vraiment pas mal de parrainage grâce à ça maintenant. Voilà. Et sinon, je peux vous conseiller Sufio pour les factures, notamment en B2B. C'est pas mal. S-U-F-I-O. Voilà. Mais c'est pas très cher en plus. Donc, je vous conseille ce genre de choses. Moi, je vous mets tout ça dans le chat pour les participants. Et pourquoi plus Shopify que WordPress, hein? WordPress, c'est pas assez puissant? Bah, moi, j'en avais un au début et peut-être parce que je sais pas l'utiliser. Hein, je ne doute pas que ce soit ça. Pour moi, c'est un assemblage de blocs, alors que Shopify, c'est beaucoup plus intelligent parce que tu peux rajouter des apps en fonction de ton besoin. Tu vois, au fur et à mesure, tu viens accrocher des trucs sur tel ou tel besoin et ça, c'est vraiment chouette parce que bah, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Tu n'as pas à faire un développement spécifique ou à te creuser trop le cerveau. D'autres gens se sont creusé la cervelle pour toi avant à faire des apps de ouf qui te permettent de résoudre ton problème. Ok, ça marche. Voilà. Super. Aymeric, tu as d'autres trucs? On nous demande d'ailleurs sur ton logistique. On utilise exactement les mêmes choses que Audrey a citées. Ouais, ouais. Sauf Referral Candy, je ne connaissais pas. Nous, on est en train de tester un truc qui s'appelle Yotpo pour les revues, et ça permet d'envoyer des mails avec un questionnaire dans le mail. Okay. Parce que souvent, le problème des mails de satisfaction, c'est que tu as un premier lien sur lequel il faut cliquer qui t'amène. voilà, donc ça, c'est pas mal, j'ai l'impression, mais on est en train de tester. Et après, ouais, 100% d'accord avec Shopify. Enfin, le choix de Shopify. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shopify, c'est un peu comme l'App Store. Donc, c'est il y a des tonnes, des myriades de développeurs indépendants qui créent des apps qui vont se plugger dans ton site pour tous les use cases que tu peux imaginer. Et en fait, du coup, plutôt que perdre le temps de faire un PrestaShop ou un WordPress et devoir développer toi-même les modules en plus dont tu as besoin, là, c'est vraiment du plug and play. Alors, à chaque fois, bien sûr, ça coûte un peu d'argent, c'est de l'abonnement. Au final, ça peut chiffrer, mais vu le temps que tu gagnes, tu as des trucs qui sont hyper quali. Pour moi, c'est vraiment un no-brainer de partir là-dessus. Et pour les gens qui seraient déjà partis sur autre chose et qui veulent switcher, c'est possible? Toi, Audrey, tu as pu switcher Alors, moi, je ne vendais pas encore. Donc, du coup, oui, mais par contre, vraiment switcher le plus vite possible. Moi, franchement, je suis désolée pour les autres CMS, mais switcher le plus vite possible. Moi, j'ai l'exemple de copine de ma promo Make Sense. Que j'ai retrouvé d'ailleurs chez Look Forward où Aymeric est aussi, qui en fait se sont fait avoir les pauvres parce qu'elles ont utilisé un développeur qui leur a fait un site from scratch et du coup elles se sont retrouvées avec un code qu'elles ne comprenaient pas, impossible de changer même le moindre bouton, donc c'est-à-dire tu ne peux même pas changer le bouton d'achat de ton site quoi. Donc franchement, switcher quoi, vraiment moi je le conseille à fond, sauf si vous maîtrisez, si vous avez déjà un CTO tant mieux hein, mais si ce n'est pas le cas, switcher pour avoir la main sur votre outil de vente. C'est comme, en fait, ne pas avoir Shopify quand on ne maîtrise pas l'Internet, ça va peut-être un peu vieux, mais enfin, si, on dit comme ça, j'imagine. C'est comme, je ne sais pas moi, un boulanger qui n'aurait pas les clés de son magasin. C'est-à-dire, le gars, il doit attendre que je ne sais pas qui arrive pour ouvrir sa boutique. Donc, en fait, le jour où le gars n'arrive pas, bah, la boutique, elle reste fermée. Donc, c'est pareil, quoi. Et ça, c'est un gros avantage de... Donc, switcher. Moi, je dis à fond, switcher le plus vite possible. Excellente analogie.
J'ai regardé le meilleur boulanger de France, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. juste, Aymeric, là, sur le choix des plateformes, donc vous avez parlé de Ulule, vous êtes allé sur les deux parce que vous avez été reaché le maximum sur l'une et du coup, après, vous êtes allé sur l'autre, c'est ça? Non, enfin, pas exactement. En gros, et c'est un truc dont on a parlé avec Lucille, c'est que au bout de la campagne de Ulule, donc Ulule, il te conseille de faire entre 30 et 45 jours, donc nous, on avait fait 30 jours, je crois. Et à la fin, nous, on avait énormément de demandes de gens qui disaient bah, allez-y, nous, on a raté la campagne, mais on veut quand même commander. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais à l'époque, en tout cas, Ulule proposait une plateforme pour continuer à faire des ventes qui n'était pas tout à fait adaptée pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne pouvait pas forcément mettre de pixels Facebook, donc on ne pouvait plus faire de pub dessus. Et la deuxième, c'est que on pouvait mettre qu'une seule contrepartie. Enfin, c'était un petit peu compliqué le mécanisme de contrepartie. C'était pas juste garder la même page et prolonger. Et donc, quand on a vu ça et qu'on a vu toute cette demande, on se disait, mais attends, c'est trop bête. Les gens sont prêts à précommander et on est en train de rater des ventes. Donc, on s'est dit en catastrophe, bah, relançons sur nos plateformes. Donc, on a relancé sur Kiskis.Bank et ça a très, très bien marché aussi. Vous avez eu combien sur les deux plateformes? On est resté beaucoup plus longtemps sur Kiskis.Bank, mais en gros, on a eu 5000 contributeurs sur Ulule et 7500 sur Kiskis.Bank. D'accord. Et sachant qu'on est resté 30 jours sur Ulule et qu'on est resté 4 mois sur Kiskis.Bank, mais qu'après, sur Ulule, on avait aussi tout le premier cercle, la famille, les amis, enfin voilà. Et sur Kiskis, tu peux rester beaucoup plus longtemps du coup aussi, c'est ça Et ça, en gros, ils ont une formule qui s'appelle l'extra time qui permet en fait de garder ta page projet. Ton projet est financé, donc les gens savent que c'est bon, que ça va. Et voilà, et donc les gens peuvent continuer à acheter autant de temps que tu veux, quoi. Après, c'est un peu un choix parce que c'est vrai que à chaque fois, c'est des plateformes qui, mine de rien, coûtent un peu cher. Hein. C'est 8% de fees qui correspondent aussi au fil de termes de paiement, etc. Mais donc, ça reste assez cher. Donc, le faire trop longtemps, si tu peux switcher sur ton site, c'est malin de switcher sur ton site. Mais voilà. 8% de fees, les deux, c'est les mêmes. Ouais. Ouais. C'est okay. Les mêmes montants, ouais. Ok. J'avais une question. Est-ce que vous êtes passé en newsletter sur les plateformes? Oui. Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi? Nous, c'était vraiment un super boost. Ça, c'est un des gros, c'est un des gros bénéfices des plateformes de crowdfunding. Ils envoient des newsletters, pardon. Ils envoient des newsletters en sélectionnant trois projets, en disant voilà les trois projets de la semaine. Et ça, comme ils ont une grosse communauté, c'est vrai que c'est vraiment super parce que derrière, tu as une grosse communauté de gens qui ont déjà fait du crowdfunding, qui reçoit ça et qui achètent. Donc, nous, on a vu un gros boost à chaque fois sur les… Sur les deux newsletters. Donc, pareil, ça donne ça te demande de l'argent, mais. Non, ça ne demande pas d'argent parce que c'est gratuit. Okay. Ils sélectionnent en fait les projets. La façon dont ça marche, c'est juste que eux, leur modèle de rétribution, c'est un pourcentage de tes ventes. Donc, en fait, ils vont essayer de mettre les projets qui sont le plus susceptibles de générer de l'engagement et de la vente. Donc, c'est un peu. Et après, il n'y a pas que ça qui rentre en compte parce que c'est aussi des vraies entreprises à mission pour le coup. Donc, ils n'hésitent pas aussi à mettre en avant des projets associatifs, même si ça rapporte un peu moins d'argent. Mais voilà, donc il y a un comité indépendant qui choisit quel projet ils vont mettre en avant. Mais en revanche, ce n'est pas du tout payant. Ok, super. Il y a une question sur la logistique, on revient un petit peu. Mais justement, sur la question logistique, quel acteur nous conseillez-vous? Est-ce que vous êtes parti avec des logisticiens particuliers ou des acteurs hein? Je ne sais pas s'ils parlent de solutions ou des. Je pense. Moi, j'avais demandé. Je ne sais pas si toi, Aymeric, tu connaissais bien la logistique, peut-être via tes précédentes boîtes. Moi, je ne connaissais pas trop ce monde-là. Donc, j'avais demandé à des entrepreneurs que je connais comment ils faisaient. J'ai visité les différents logisticiens. Et en fait, j'ai choisi en fonction essentiellement du fit avec. Avec le logisticien, parce que je trouve que c'est un métier tellement spécial qu'en fait, il faut bien s'entendre. Quoi, parce que ça peut vraiment, le jour où le logisticien il dit bah non, ça peut arriver, hein, je ne livre plus tes trucs. C'est con, mais franchement, c'est horrible. Quoi. Ou même pendant le Covid, quand ils fermaient parfois les usines ou les entreprises, quand il y avait un cas,
Franchement, moi, là-dessus, je n'ai pas passé un bon Covid, si j'ose dire, parce que tu te dis, waouh, j'espère que ça ne va pas fermer, quoi. Donc, c'est vraiment un acteur tellement important. Je pense qu'il faut bien s'entendre, avoir confiance et surtout avoir des recos. Donc, moi, je conseille vraiment de ne jamais aller avec un logisticien dont vous n'avez jamais entendu parler. Il faut à minima deux personnes, deux entrepreneurs dont la boîte marche et qui sont capables de vous dire, ils sont sérieux, il y a une API. Et ils peuvent monter en volume. Parce que le truc, c'est qu'aussi, quand tu commences à vendre beaucoup, si ton logisticien, après, il te dit ah, « bah, désolé, je ne peux pas », tu es quand même un peu emmerdé parce qu'il faut tout rechanger et ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et puis, c'est du temps, on n'en a pas beaucoup, quoi. Donc, c'est stressant, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être bien backé dès le début, je pense. Voilà. Ouais, je pense que ça dépend. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Audrey. Nous aussi, on a fait le choix d'avoir un vrai logisticien, mais je pense que ça dépend aussi de l'ambition du projet. C'est-à-dire que si vous avez une campagne où il y a eu, je ne sais pas, 200 contributeurs, je pense que ça ne vaut pas le coup de se casser la tête à trouver un logisticien intégré, etc. Il y a des solutions qui existent comme Qbin, par exemple, qui sont très bien, qui sont clés en main et où eux, ils se pluguent très facilement parce que c'est un peu plus moderne. Donc, ils ont déjà développé toutes les intégrations avec Shopify. C'est plus cher potentiellement. Mais ça marche pas mal. Nous, on n'a pas fait ce choix parce que nos recharges, on les envoie par la voie postale. Ouais. Et Qbin ne propose pas ça. Donc, on est passé par un logicien un peu plus traditionnel. Et après, un truc qui est assez intéressant à regarder sur le côté logistique, parce qu'en fait, c'est logistique, mais c'est aussi tout ce qui est conditionnement et préparation de commandes. Et il y a pas mal de boîtes qui font ça, mais avec soit de la réinsertion, soit des personnes en situation de handicap. Et nous, c'est ce qu'on fait. On bosse avec une boîte qui fait de la réinsertion, donc des gens qui n'ont pas travaillé depuis un moment et à qui cette boîte remet le pied à l'étrier avec ce genre de job. Et on trouve ça assez cool. Et en plus, c'est assez compétitif en termes de prix. Donc, Comment tu as dit, Aymeric, que s'appelait le logisticien intégré à Shopify, s'il te plaît? Qbin. Qbin. Je vous mets dans le chat. D'ailleurs, c'est une de mes boîtes. Oui. OK. OK. Et pour l'export, mais vous ne faites pas d'export, il y a la question, mais vous ne faites pas d'export, je crois. Non, bah on fait. Enfin, moi, je fais très peu d'export, mais on a quand même des commandes qui viennent de l'international. Ça passe quand même par notre logisticien traditionnel. On fait payer un fees en plus. Et voilà. Pour l'instant, on n'a pas de logistique spéciale pour ça. Et je me permets de rebondir sur cette question parce que l'export, nous, on en fait un petit peu, mais essentiellement vers la Belgique, donc c'est un peu la France quand même. Mais il y a un gros point important avec le logisticien et vous avez cité tous les deux Qbin. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne pouvais pas aller avec eux au début. C'est parce que dès le début, en fait, moi, j'ai quand même eu des entrées en B2B, donc de la livraison en palette sur camion. Et ça, c'est quand même assez lourd d'un point de vue logistique. Et donc, il faut être sûr que le logisticien peut traiter les palettes. Je ne sais plus si c'est Qbin, j'ai un doute, hein, mais je sais qu'il y en a un de ceux-là qui ne pouvait pas traiter les palettes. Et donc, du coup, moi, je ne pouvais pas aller avec eux parce que je ne voulais pas avoir deux logisticiens, un pour les particuliers et un pour les pros. Et donc, moi, ça a permis aussi de choisir mon logisticien actuel qui, en fait, peut traiter les deux, peut préparer des palettes, ce qui est quand même spécifique. Il y a des tailles standards, des emballages à respecter et tout. Donc, voilà, ça, c'est un point important si vous voulez faire du B2B à creuser peut-être avec le logisticien de départ. Aymeric, une question pour toi. Qui, pour des moules et plasticiens en France, tes moules, tu les as fait où? On les a fait… En fait, en France, il y a ce qu'on appelle la Plastic Vallée. C'est en région Rhône-Alpes, au nord de Lyon, à Oyonnax. Il y a tout un tas de partenaires. Nous, on bosse avec deux partenaires hein, qui s'appellent Fevelet Plast et un qui s'appelle Caliform. Voilà. Il y a deux technologies de plastique et donc ils permettent de. Ok, super. Bah vous pourrez aller voir, je pense. Je mets aussi le petit lien du coup. Il nous reste 5 minutes, Sébastien, à une vitesse folle. Est-ce que, Aymeric, Audrey, j'aimerais vous entendre peut-être sur des derniers tips sur lesquels on n'aurait peut-être pas assez insisté pendant le talk et peut-être juste parler un tout petit peu d'impact. Est-ce que c'est un sujet prégnant quand on lance une campagne en crowdfunding? Est-ce que ça marche mieux, évidemment, parce que j'imagine que les gens vont aussi sur du crowdfunding parce qu'ils veulent des projets qui leur parlent. Donc, est-ce qu'on peut se parler de ça en quelques mots et peut-être vos derniers tips? Je ne sais pas, l'un de vous prend la parole.
celui qui veut. Bah, je peux y aller. Ouais. Enfin, moi, j'aime pas trop parler de boîte à impact parce qu'en fait, pour moi, et je sais pas si Audrey, tu partages ce sentiment, mais enfin, maintenant, créer une boîte, ça a forcément cette dimension impact. Enfin, je comprends pas. En fait, je comprends même pas qu'on puisse créer une boîte qui n'est pas nativement cette dimension de un, c'est meilleur pour toi, et deux, c'est meilleur pour la planète. Et nous, enfin moi je suis assez convaincu que ça va devenir vraiment la norme. Après je pense que c'est pas un critère qui est suffisant, donc c'est un critère qui est nécessaire mais c'est pas un critère suffisant. Et je pense que du coup et je pense que c'est un des grands écueils des campagnes de crowdfunding qu'on voit parfois, de dire je me repose simplement sur le pilier impact pour essayer de convaincre les gens d'acheter. Et je pense que c'est pas suffisant parce que mine de rien, même si tout le monde a envie de faire du bien à la planète, tu as d'autres trucs à penser et il faut que tu arrives à avoir ce petit supplément d'âme. Et donc, enfin voilà, juste pour relier au conseil, c'est vraiment réfléchir à, enfin déjà faire un super produit, bien sûr intégrer la dimension impact, mais il ne faut pas que ce soit le seul argument différenciant. Il faut que ce soit un truc qui soit nouveau, qui soit, enfin voilà, une histoire de marque qui soit fun, qui raconte quelque chose d'un peu plus que juste on va arrêter de jeter du plastique, parce que ça c'est pas très aspirationnel en fait. Donc voilà, et je pense que l'autre truc c'est de trouver sa voie, de pas trop regarder ce que font les uns et les autres et de pas essayer de copier, parce qu'en fait dès qu'on copie ça se sent et ça marche pas. Et donc en fait par exemple nous avant nous il y a eu Respire qui avait très bien marché sur les plateformes de crowdfunding. Après, il y a eu genre 100 000 campagnes qui se sont lancées avec exactement le même format de vidéo, exactement le même format de page projet. Et elles ont toutes beaucoup moins marché parce qu'en fait, ouais, c'était beaucoup moins authentique. Et donc, il faut vraiment réussir à trouver sa voie, je pense. Audrey, je partage complètement ce que tu dis, Aymeric. Et donc, un premier conseil, il faut arrêter les vidéos où on marche dans la rue en expliquant son truc et tout, parce que, enfin, comme disait Aymeric, il y a une personne, Justine, qui l'a fait pour Respire, mais elle est, enfin, je trouve qu'elle est tellement forte que, voilà, il faut pouvoir réinventer quelque chose aussi qui à soi. Et le deuxième conseil, c'est, je dirais, la sincérité. Je ne dis pas du tout ça pour être cucu ou quoi, mais j'y crois vraiment. Je pense que si on lance un projet engagé, donc un impact engagé pour la planète, pour les gens, on n'est pas obligé de s'engager pour la planète, on peut aussi s'engager que pour les hommes ou pour une autre cause. Mais je crois qu'il faut vraiment y croire, parce que c'est tellement lourd quand même à porter un projet entrepreneurial et ensuite une entreprise, que si on n'y croit pas, franchement, je ne vois pas comment ça peut durer, quoi. Il y a tellement de choses en perso qui jouent et tout. Donc, vraiment incarner le truc, être convaincu soi-même, si c'est que opportuniste, je crois que ça ne peut pas trop durer. Et après, le troisième, j'ai vu l'heure, hein, t'inquiète, Sarah, le troisième conseil peut-être, c'était de ne pas hésiter à harceler ses proches. Et ça, c'est super difficile. Moi, au début, franchement, je n'y arrivais pas. Je me disais, mais ce n'est pas possible, ils vont finir par plus me parler. Et en fait, eh ben, c'est bête, mais au bout du troisième texto, quatrième texto pour la campagne, ben, les gens, ils finissent par acheter parce qu'ils sont sympas, qu'ils se disent, bon, allez, elle me saoule un peu, mais quand même, ça a l'air sympa. Et puis, ils se laissent aussi convaincre par les messages. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à aller chercher les gens, à demander. Ce n'est pas de la mendicité, parce que parfois, on peut avoir cette impression-là. Ce n'est pas de la mendicité. On vend un produit, donc on a travaillé pour ça. Il y a des gens qui ont travaillé pour ça. Les gens achètent parce qu'ils se laissent convaincre. Mais surtout, ne lâchez pas votre cercle proche et le cercle après le cercle proche, parce que si vous lâchez ces deux-là, vous lâcherez les autres ensuite. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à s'accrocher pour la campagne, en tout cas, de financement. Et j'en profite juste pour dire un salut à Lucille aussi, qui m'avait accompagnée et qui est top. Voilà. Lucille qui est ? Lucille Dulule, que je vois là aussi. Ah, d'accord. Je l'ai pas grillée, que je peux voir les spectateurs. Mais je l'ai dans les spectateurs. Ouais, ouais. Bah, c'est top. Enfin, c'est top qu'il y ait des gens. Je reviens juste sur ce que tu dis sur le côté crowded aussi. Pourquoi est-ce qu'il faut être authentique? C'est parce qu'on est saturé d'informations, saturé de sollicitations. Et je pense que vous avez... C'est pour ça que vous êtes là et qu'on se parle. C'est que vous incarnez quelque chose de différent et du coup, les gens le ressentent. Enfin, on sent que vous êtes porté. Audrey, je ne tarie pas d'éloges sur ta vidéo qui est juste incroyable et tellement engagée. Voilà, une femme qui se met en scène de manière très différente, mais sur un sujet vachement avec beaucoup d'humour, bah, on n'a pas l'habitude aujourd'hui. Donc, c'est canon. Et puis, la vidéo aussi de 900, elle est super qualitative. Elle est très pops. On n'a pas mis le studio qui te l'a fait. On peut leur faire un peu de pub, Aymeric? Ouais, c'est Crazy Train Film.
Ah voilà, en plus je les ai eu au téléphone depuis pour nos boîtes en portefeuille. J'ai adoré, ils sont un peu fous, mais du coup, ça mérite. Je vous mets aussi dans le chat. Alors, je sais pas s'ils ont. Non, je sais pas s'ils ont un. Bon, ça s'appelle Crazy Train Film. Vous regarderez. Je ne le trouve pas sur le web. En tout cas, je vous propose aux panélistes de mettre votre petite adresse email pour les participants. Moi, je mets la mienne dans le chat. On arrive au bout du webinar. Franchement, de toute beauté, de toute qualité. Merci beaucoup. J'ai que des merci là. Super entrepreneurs qui sont vraiment dans le retour d'expérience. C'est cool. Donc, je pense qu'on a envoyé plein de bonnes ondes et plein de tips aussi. Parce que c'est l'objectif, c'est que ce soit très tools, quoi, très outils. Donc, c'était super. Bravo à tous pour la qualité de ce webinaire et de ces échanges. Merci vraiment mille fois, Aymeric, Audrey. Merci. N'hésitez pas à aller acheter les produits et à les tester parce qu'ils sont super. Enfin, moi, je suis une grosse fan et d'en parler autour de vous. Alors, ils sont plus sur campagne là. Vous allez sur votre site internet. Ah oui, là, faut pas. Et. Quoique, je crois que la page Ulule, et la tienne aussi, sans doute, Aymeric, de KissKiss, elle redirige quand même, ça c'est sympa aussi, elle redirige vers le site parce qu'il y a peut-être des gens qui retombent dessus, je pense. Merci beaucoup. Voilà, on n'a que des merci. Merci pour tous ces conseils. J'ai adoré également. Merci à tous, très intéressant. Merci à tous les participants qui étaient là ce matin. Vous étiez plus d'une trentaine.